Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le guide de Kira. Alors que vous le savez, je l'ai pas mal testé sur le PTR. Et donc on va pouvoir tout simplement présenter un petit peu le personnage, ses compétences. On va également apprendre à le counter. Alors il y a une autre vidéo qui est l'une vidéo où j'en ai chié comme pas possible. Je pense que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une game aussi pourrie. Et je vais la mettre sur YouTube du coup pour voir un petit peu aussi comment bien contrer Kira, puisque l'adversaire a réussi à bien me bloquer. Donc il y a pas mal de vidéos qui vont graviter autour en démonstration évidemment. Mais en attendant, Kira, donc tout d'abord pour bien commencer, quel est le rôle de ce personnage? Alors c'est un assassin mêlé et en l'occurrence elle peut occuper le rôle de solo, occuper le poste de solo lane ou bien de triple mêlée, si jamais on veut gank un petit peu avec, avec ce perso et qu'on a un deuxième solo laner. Mais le principe, mais elle peut très bien solo lane. Elle n'a pas le meilleur des dépush, hein, soyons honnêtes, je vais pouvoir vous montrer, mais c'est pas le perso, c'est pas une Léoric, elle a pas un dépush de dingue. Mais son dépush est quand même tout à fait correct comme vous le voyez, hein, donc ça va, on va montrer ça après de toute façon. Alors en attendant, le personnage donc est un assassin mêlé, très intéressant, le kit est super intéressant. Bon, le personnage, son histoire, elle beaucoup moins, hein, puisqu'il n'y a pas d'histoire quasiment. Mais par contre son gameplay est vraiment vraiment très pertinent, très cool, c'est super intéressant. On sent l'influence Shingeki no Kyojin, hein, parce qu'avec voilà, les grappins, les épées etc, c'est assez sympa. Alors le part, on va commencer par le passif. Donc le passif activable, c'est le grappin justement. Donc comme vous le voyez, alors je vous conseille de le jouer pas en smartcast, parce que sinon pour la portée c'est quand même compliqué. Moi je joue en semi-smartcast, ça évite des fails. Vous le verrez dans une autre vidéo aussi. Du coup le grappin, 25 secondes de CD. Vous pouvez en fait utiliser le grappin pour vous pour toucher un mur. Attention, pendant ce temps vous pouvez vous faire cancel. Si par exemple un ETC fondu pendant mon grappin, bah vous êtes annulé. Ça reste un dash en fait. C'est un dash un petit peu long à arriver, mais vous voyez, vous pouvez faire bloquer pendant ce temps. En l'occurrence, donc 25 secondes, vous pouvez également l'utiliser sur donc les murs comme vous le voyez, mais sur les héros ennemis. Et vous voyez, alors on va parler des marques juste après, mais ça permet d'activer des marques et ça fait des petits dégâts. Sachant qu'il y a des dégâts sur l'allée et sur l'arrivée en fait. Dès que le grappin touche et quand vous arrivez à réception, vous infligez des dégâts. Donc ça c'est intéressant pour après. Le sort de base, alors je vais appeler ça, on va commencer par le Z, d'habitude je sais je commence par le A, mais on va passer sur le Z puisque chaque auto-attaque de Kira, vous voyez, met un dot en fait, met un effet de saignement sur l'ennemi et ça peut se cumuler jusqu'à 5 stacks, un petit peu à l'image d'une Ana. Sauf que la sustain, contrairement à Ana, n'est pas directe, c'est pas en tapant l'ennemi que vous allez vous soigner comme une Ana. En l'occurrence, en fait, ça c'est le passif du Z, mais l'activable, ça coûte 35 de mana et ça a 8 secondes de temps de recharge, c'est faire péter ses marques en fait. Alors faire péter les marques, c'est un petit peu à l'image d'une Lunara, sauf que ça ne réactualise pas les marques. Mais quand vous le faites péter, vous voyez, ça fait un burst magique, mais ça ne réactualise pas la durée du poison, comme pourrait le faire une Lunara avec le Z. Par contre, ça soigne. L'activation donc du Z va soigner à la hauteur des... Alors je vais essayer de prendre des dégâts, hein, sur la tour. Voilà, vas-y, tape-moi, blablabla, voilà, super, c'est cool. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, en fonction des marques, ça va me soigner. Là, ça m'a soigné de 466, mais si j'avais 5 marques, vous voyez, ça me soigne plus en fait. Bon, là, en l'occurrence, j'étais full PV, mais ça me soigne beaucoup plus. Donc, tout est... Alors, ça ne marche pas sur les sbires et sur les tours. Par contre, la sustain ne marche que sur les héros. Donc, j'ai beau mettre des marques sur les adversaires, ça ne me soignera pas. C'est que contre des héros. Vous voyez là, petite sustain, 2 marques, pas beaucoup. 5 marques, par contre, ça fait très mal. Et l'intérêt, bien sûr, c'est de pouvoir essayer de cumuler les marques sur plusieurs adversaires. Comme ça, la sustain sera bien plus grande, en plus d'infliger des dégâts à tout le monde. Donc l'idée c'est d'essayer de toucher un maximum de héros ennemis avec vos marques, avec vos sorts. Donc ça marche sur les ultimes, on verra aussi, mais n'importe quel dégât de Kira active la marque de pose une marque que vous pouvez activer par la suite. Donc plus vous touchez de monde évidemment, et plus vous allez pouvoir vous sustain. Comme vous le voyez, le A est une compétence pour justement essayer de toucher. C'est un assassin corps à corps, Kira. Alors oui, son D c'est une espèce de lance de Sonia, mais qui fait vraiment pas beaucoup de dégâts. C'est juste, l'intérêt c'est d'avoir un gap closer, de pouvoir se rapprocher d'un ennemi et d'activer des marques. Mais sinon, et pouvoir s'escape également. Donc c'est ce qui fait qu'en solo lane elle sera pour moi viable. Elle a un dépush qui est très bien, qui est moyen bien on va dire, qui est intéressant. Elle a une excellente capacité de trade, comme vous le voyez, elle a de la sustain, elle a des bons dégâts, mine de rien, pour pouvoir tenir un petit peu sur la solo. Hop, on met des petits trades, on repart. Donc les trades, c'est tout simplement les échanges de coups. Et sur les échanges de coups, bah, elle est plutôt pas mal, la petite Kira. Et grâce à son dé, elle est pas mal mobile. Et elle peut, par exemple, échapper à un gank avec son dé. Donc ça, c'est super intéressant.
maintenant. Donc comme on l'a dit, le A ça permet également de dépush, mais également de poke à longue distance, puisque en fait vous déployez votre lame et plus l'ennemi est proche de vous, plus il va être touché par le nombre de marques sur le A. Là vous voyez, il a été touché 4 fois. Si je suis au corps à corps, ça fait 5 marques. Par contre, si l'ennemi est très loin, l'épée n'a pas le temps de se déployer comme elle veut, donc ça va faire seulement 2 marques, l'aller et le retour. Par contre, plus vous êtes proche, et comme vous le voyez, hein, l'épée en fait se fracture en plein de fragments, et plus vous êtes près, plus ça fera mal, bien entendu. Donc ça, c'est tout l'intérêt, puisque eh ben, vous pouvez potentiellement, vous voyez, poser plein de marques et pouvoir soigner derrière. Donc en combat, le A est super important pour essayer de poser un maximum de marques. En solo lane, ça va vous permettre de trade, ça va vous permettre également, c'est votre principal instrument de dépush. Et l'intérêt, bien sûr, c'est de toucher un maximum de sbires. Et ensuite, vous faites péter le Z. Vous voyez, il y a un bon petit dépush, mine de rien. Alors, n'oubliez pas, par contre, hein, la sustain, encore une fois, ça ne fonctionne pas sur les sbires. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que avec Kira, pour dépush efficacement, on y reviendra après, mais pour dépush efficacement, le A est très fort, mais également, un petit peu l'image d'un Nazibo, il faut essayer d'auto-attaque tous les sbires. Alors, elle gagne pas de stack en tuant les sbires, hein, contrairement à Nazibo, mais c'est le principe est le même. Essayez d'empoisonner un petit peu tout le monde, et avec votre Z, vous faites péter, comme ça vous pouvez dépêcher plus efficacement, plus rapidement. On remontrera ça après. Donc, on l'a dit, le Z, bah, tout simplement pour toucher un max de monde. Donc, vous voyez, là, on met l'auto, boum, on se soigne. Là, le burst heal sur 4 personnes, avec quand même pas mal de marques, on l'a vu, il est quand même intéressant. Ensuite, on a le E. Le E qui est votre seul véritablement outil défensif. Alors je sais, vous allez me dire le grappin, oui mais le grappin, alors déjà le grappin, un des problèmes, on va parler aussi des faiblesses du grappin, c'est que ça touche le premier ennemi ou le premier mur. Si j'ai envie de m'escape par exemple là comme ça, mais que je suis ici et que l'ennemi s'interpose, à la base j'étais comme ça, mais l'ennemi s'interpose et se passe devant, je peux plus traverser le mur. Donc c'est exactement le même principe que l'escape de Blaze. C'est-à-dire que sur le papier, oui, le de Blaze permet de se repositionner si quelqu'un passe devant, et quand vous gankez une Kira par exemple, ou que vous essayez d'empêcher une Kira de survivre, il faut essayer de la body block, parce que comme ça, en plus de la body block, elle ne peut pas utiliser le grappin de manière frontale pour pouvoir repartir. Donc elle devra peut-être, par exemple, si elle est bloquée comme ça, imaginons que bah, je dois retourner sur mes tours, bah, je peux pas, là si l'ennemi est devant moi, je peux pas grappin là, sinon c'est l'ennemi qui va toucher. Donc je vais essayer de faire sur le côté, et du coup eh bien ça va retarder ma fuite et potentiellement ça va me tuer. Donc c'est tout l'intérêt, bien sûr, d'essayer de bodyblock la Kira. Maintenant il y a le E. Alors le E, c'est vraiment, en fait faut l'imaginer comme le dé de Maiev, mais de manière à être counter, puisque contrairement au dé de Maiev, celui-ci fait des dégâts. Vous allez devenir totalement inciblable pendant un court laps de temps. Donc en fait c'est un skill shot, hein, comme vous l'avez vu, Kira c'est quasiment que du skill shot. Le D c'est un skill shot, le A c'est un skill shot, le E est également un skill shot, il y a juste le Z qui est en passif sur les auto-attaques. Alors je l'ai pas dit, mais la portée d'auto-attaque de Kira, vu que c'est une lame qui s'étend, est quand même très intéressante pour un corps à corps. Je vous mettrai une autre vidéo de gameplay, mais vous verrez, sur Comté du Dragon, je joue avec la portée de l'auto-attaque face à une Misha sur le point du dragon, et c'est super intéressant. Donc pensez à profiter un petit peu, à abuser, surtout la vitesse d'auto, enfin l'animation de l'auto, on peut l'annuler rapidement pour hit and run plus efficacement, etc. Elle est vraiment cool là-dessus. Donc le E, comme je le disais, c'est un skill shot avec une hitbox très fine, mine de rien, tout comme le grappin a une hitbox un petit peu plus large. Mais donc il y a une animation sur le lancement du sort. Alors comme vous l'avez vu, il y a des animations de sort, des incantations, hein, sur le A par exemple. Vous êtes immobile pendant que vous faites le A, le temps qu'il y ait le retour, donc il faut faire très attention à ne pas vous faire punir dans ce genre de cas. Vous pouvez faire cancel, bien entendu. Et le E, bah, c'est un peu le même délire. Contrairement à une lance de Sonia, c'est déjà un skill shot, mais le truc c'est que la lance de Sonia, elle est quasiment directe. Il y a une animation évidemment, mais là c'est aussi un petit peu lent. Donc vous pouvez vous faire cancel également votre E. Par contre, quand vous touchez, vous devenez, vous voyez, vous faites une toupie en fait autour de l'ennemi, et vous pouvez réappuyer sur E pour activer en fait un stun. Alors la lance touche instantanément, donc elle stun au moment de la touche. Regardez bien l'effet de stun au-dessus. Elle stun très rapidement, c'est un micro stun, mais si je réappuie, ça stun, ça re-stun. Alors le premier stun est de 0,25 secondes, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est 0,25 secondes. Le deuxième est de 0,75. Le problème c'est que vous faites une rotation complète. Donc si vous appuyez pas, vous repartez à l'endroit indiqué, l'endroit où vous avez lancé le sort. Le truc c'est que si vous réappuyez, bah, vous allez vous retrouver, vous allez pousser un petit peu l'adversaire. Donc l'intérêt, bien sûr, sur un gank va être, par exemple, eh bien Arthas doit s'enfuir par là, l'intérêt va être, eh bien, de le ramener de l'autre côté pour, en plus de le stun, l'éloigner. La durée du stun peut être utilisée de plein de manières, par exemple pour placer votre A sans problème, et ensuite on va auto-attaque, etc, etc. Maintenant il faut... Là vous vous dites, bah Malga, ça ressemble pas du tout au dé de Maiev, ce que tu nous as dit. Bah en fait si, c'est super important. Encore une fois, vous êtes inciblable
vous êtes inciblable pendant, pendant cette durée. Et c'est votre principal. Alors je sais que parfois ça va donner l'impression que c'est un sort d'engage, mais non, votre engage c'est le grappin ou au corps à corps. Mais le E ne doit quasiment pas être utilisé comme engage puisque c'est ce qui va vous permettre de temporiser les dégâts à l'image d'une Maiev dans un teamfight. Et surtout, vous êtes inciblable. Donc qui dit inciblable par exemple dit loop chromie. Et bien sur un loop de chromie, j'appuie sur E, je peux pas être amené par le loop. Maintenant, il y a des points faibles à ce sort. On va le voir avec. Bah là, on l'a déjà vu en fait avec Arthas. Je vais essayer de vous le remettre. Mais en fait, il y a plusieurs manières de contrer ce sort. C'est pour ça, là, j'en profite parce que si vous voulez jouer Kira, il faudra faire attention à ça. Si vous voulez jouer contre Kira, abusez de ça. Le grappin, vous voyez, si j'ai pas envie de prendre de risques, ça va me ramener à l'endroit à peu près où j'ai lancé. Mais le truc, c'est que il peut se déplacer pendant la durée du grappin. Et du coup, il peut me ramener très loin de ma position initiale pour m'envoyer sous fort. Imaginez par exemple, je sais pas, un Genji, je l'ai touché avec le Genji dash sous le fort, bah, il m'a ramené sous le fort en fait. Maintenant, il y a une autre manière d'annuler ce genre de sort, c'est que contrairement à beaucoup de... En fait, c'est une contre-règle. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce genre de compétence, vous ne pouvez pas la purifier. Imaginez un hook de Stitches, par exemple le grappin de Stitches, vous ne pouvez pas le purifier. C'est soit vous le purifiez avant... soit à la fin, mais pas pendant en fait. Vous ne pouvez pas purifier un grappin de Stitches pendant. Avec Kira, eh bien ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous purifiez l'ennemi par exemple qui vient de se faire grappe avec le E, eh bien vous allez annuler instantanément le E. Quel intérêt de faire ça? Et donc les auto-purifs fonctionnent bien entendu. Quel intérêt pour les adversaires de faire ça? Eh bien vous allez annuler directement le E de Kira. Donc elle va redevenir ciblable alors qu'elle était inciblable. Et pendant ce... Et ça va le... l'annuler, la remettre sur place. Donc par exemple, une Kira qui voudrait potentiellement faire une rotation complète, histoire de temporiser, parce que par exemple c'est votre outil de survie, hein. Vous allez balancer un E, par exemple là sur Arthas, en attendant que mon équipe, là je me fais gank, on va attendre mon équipe, bah, je fais une rotation complète pour pouvoir eh bien, temporiser le temps que mon équipe soit en place, que temporiser les CD de mon support par exemple, ce genre de choses, ou temporiser mon Z pour pouvoir me sustain, puisque pendant le E vous pouvez claquer le Z, hein. Ça c'est très intéressant, mais le Z peut se lancer quasiment pendant tout. Vous voyez là je peux ah non j'ai rien dit, c'est pendant l'ultime par contre, c'est pendant l'ultime, j'ai confondu. Donc celui-là ne fonctionne pas. Par contre pendant le E vous pouvez utiliser le D par exemple pour vous éloigner. Alors concrètement ça n'a pas trop d'intérêt, sauf si vous voulez viser, je vois deux intérêts à utiliser ça, c'est soit vraiment s'escape, c'est-à-dire que vous faites gank, vous allez mourir, bah on va utiliser le E, on va repartir avec le D pour essayer de stun l'ennemi et s'éloigner, mais sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Oui, par exemple là j'ai envie de tempo, j'ai envie de tempo, j'ai envie de tempo, et là je vais repartir. Mais donc ça, ça serait plutôt défensif, mais ça utilise vos deux outils de mobilité, un à 25 secondes, l'autre à 16 secondes CD, c'est vos deux sorts de survie, donc c'est quand même très 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 cher payé. L'autre outil peut être d'utiliser la front lane pour atteindre la back lane potentiellement, mais c'est pareil, c'est très dangereux parce que vous avez plus votre E, donc vous allez vous faire défoncer en 1v1, c'est le problème. Et comme vous êtes un assassin mêlé, si vous avez utilisé votre D et votre E, qui sont esquivables hein, bien entendu, eh bien vous êtes un assassin corps à corps, et vous êtes très vulnérable au kiting, c'est-à-dire que l'ennemi va attaquer, se déplacer, va attaquer, se déplacer, vous ne pouvez plus l'attraper en fait. Donc c'est très très compliqué. Donc le kiting est très très fort contre Kira. Si l'ennemi bouge, je rate mon dé, j'ai pas d'engage. En plus, il y a des animations de sort, donc elle est immobile pendant qu'elle lance ses sorts, donc si vous esquivez, eh bien elle est déçue. Et donc encore une fois, l'autre point fort peut être de ne pas purifier tout de suite la cible d'un E par exemple. Mais voyez, là je suis sur Arthas, je peux faire une rotation complète et là on purifie et je me retrouve ici. Je me retrouve ici. Donc ça c'est très très fort. Et c'est pour ça que je pense qu'un Garrosh par exemple sera un énorme counter de Kira. Déjà pour les rotations de contrôle, si vous êtes contrôlé avec Kira, vous pouvez pas appuyer sur le Z, du coup vous ne pouvez pas avoir accès à cette énorme régénération. Donc les antilles bien sûr fonctionnent très bien, mais bah tout simplement, vous avez vu, l'incantation fait que j'ai raté mon sort parce qu'il était en train de courir. Mais du coup, eh bien, vous avez pas potentiellement de sustain et vous allez vous faire défoncer. Kira reste très fragile. On se dit, oui, elle a un énorme pool PV, oui certes, mais elle a un kit qui fait qu'elle est quand même relativement fragile. Il faut qu'elle puisse appuyer sur le Z. Donc elle est très très vulnérable aux rotations de CC, sachant que pour pouvoir faire des dégâts, vous voyez, elle doit s'approcher, elle doit s'avancer. Et le A la rend immobile, un petit peu l'image d'un A de Chromie. Le D est une incantation qui met un petit peu de temps aussi, même si ça reste ok. Et le E, vous avez également une canalisation. Donc c'est pas un personnage qui peut s'escape facilement. Enfin, elle peut s'escape. En fait, ça va être tout ou rien. Soit elle arrive à s'escape facilement et vous êtes très déçu, soit elle galère complètement à s'escape et là ce sera une cible très fragile et elle va mourir en boucle. Plus la partie avance, Kira a pas forcément un énorme late game, parce que
comme n'importe quel assassin mêlé. Au début, c'est tranquille, vous pouvez engage comme un Portio, ça va aller, vous allez avoir énormément de dégâts, avoir énormément de sustain, l'ennemi n'est pas forcément encore bien en place pour pouvoir vous contrer. Mais arrivé en late game, ça va devenir de plus en plus compliqué pour Kira, puisque vous pouvez plus prendre un fight comme ça sans vous faire punir. Donc c'est très très dur en late game avec Kira, il va falloir la jouer très maligne. Un petit peu l'image d'un Thrall, sauf qu'un Thrall par exemple, il a beaucoup d'escape, enfin il a beaucoup de moyens de temporiser, il a les chaînes d'éclair pour tempo. Vous, votre A, il va pas très très loin, et plus la cible est loin, plus votre A, enfin moins votre A va toucher et faire mal. Donc elle a pas non plus un énorme poke, hein, Kira. Donc c'est. Puis c'est très téléphoné. Ce qu'elle peut faire est très téléphoné à ce niveau-là. Donc le E, encore une fois, la manière de le contrer, par exemple là vous purifiez, je me retrouve ici comme une merde, et par exemple un Garrosh qui a une auto-purif et qui peut full CC une Kira, là c'est très très dur, hein. Alors ETC bien sûr, tout ce qui est contrôle va être très très fort sur Kira, les silences, les anti-heal, tout ce qui est hard CC de toute façon va être très très fort contre Kira, mais encore une fois l'un des trucs qui va être très fort contre Kira c'est tout simplement le hit and run et le déplacement. C'est bête, mais si vous lui faites rater tous ses skill shots, elle est déçue. Donc là dessus ça va être très fort, et je pense qu'à bas niveau du coup Kira fonctionnera très très bien. Elle reste très forte à sa sortie Kira, je pense qu'elle sera nerf légèrement. Après elle a pour le moment, beaucoup de monde n'arrive pas forcément à la contrer facilement, et tout ce qui est perso avec beaucoup de dégâts de sustain, les gens sont en mode oh là là c'est beaucoup trop fort, inutile de rappeler Butcher, Varian, Twinblade. Dès qu'il y a de la sustain et qu'il y a des bons dégâts au corps à corps et qu'il n'y a pas de mobilité, les gens se disent ah ouais, si on sait pas hit and run, les gens se disent oh là là c'est beaucoup trop fort, le perso il est OP. Donc il y a beaucoup de contre à Kira, il y a énormément de contre à Kira, mais elle reste bien sûr très très forte pour le moment, mais c'est normal qu'elle ait ses points forts parce qu'elle a beaucoup de points faibles. Maintenant attaquons les talents. Attaquons tout simplement les talents de Kira. Donc comme on l'a dit, Kira, alors elle a des talents assez intéressants. Au niveau 1, je note surtout deux talents qui sont très très forts. On va commencer par celui que je considère le meilleur au niveau 1. C'est possible que ça change à l'avenir, je mettrai probablement des commentaires, j'actualiserai le guide écrit. Pour le moment, il n'y a pas de guide écrit, mais il y en aura un qui sortira bien sûr. Plébéante, au maximum de charge, le saignement de soif de sang inflige 50% de dégâts supplémentaires. Donc c'est une quête, mais avec un effet direct, pour éviter d'être trop dépendant de la quête. Blizzard apprend bien de ses erreurs sur certaines créations de perso ou de rework, avec certaines quêtes qui ne fonctionnent pas. Donc dès le départ, il y a un bonus, votre saignement, donc le saignement tout comme vous le voyez celui-là. Eh bien, il fera 50% de dégâts supplémentaires si l'ennemi a moins de 50% de ses PV. Ce qui est vraiment pas mal. Alors vous allez vous dire, bon, c'est... Alors, toujours dans votre tête, faut vous dire, c'est compliqué d'infliger 50%... Enfin, pour mettre un ennemi à moins de 50% de PV, il faut quand même lui avoir mis des bons dégâts. En solo lane, ça va fonctionner assez facilement, puisqu'elle peut trade quand même... alors, ça va demander quand même d'être pas mauvais, hein, parce qu'il va falloir bien trade. Mais vous voyez, elle a les bons dégâts, elle a le dot, etc. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et en dessous de 50% PV... ça fait mine de rien, c'est quand même pas dégueu, hein. C'est le dot. Mine de rien, Kira a un problème aussi, c'est qu'elle peut engage facilement, mais pour terminer des kills, c'est pas forcément. Si elle a l'initiative du fight, finir des kills avec Kira, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on parlera d'un ultime qui est très fort pour compléter son kit. Parce que, un petit peu l'image d'une Lunara, on verra que les ennemis s'en sortent. Certes, vous allez faire très mal, mais l'ennemi va s'enfuir avec pas beaucoup de PV et vous êtes pas bien en fait, enfin vous arriverez pas à prendre votre kill. Donc mine de rien, le petit dot supplémentaire qui fait que ça peut potentiellement valider un kill, je trouve ça vraiment cool, et ça pourrait être une idée à reprendre sur Lunara d'ailleurs. Donc une fois des dégâts de saignement de soif de sang infligés à des héros à 125 reprises, la durée de soif de sang augmente de 2 secondes. Donc évidemment ça synergise super bien, puisque de base ça fait 50% de dégâts supplémentaires si l'ennemi a moins de 50% de PV, donc la moitié de ses PV. Et en l'occurrence, le dot dure 2 secondes plus supplémentaires, permettant de temporiser un peu plus les soifs de sang en teamfight, ce qui peut vous permettre de garder les marques actives plus longtemps, donc potentiellement plus de sustain pour vous, plus facilement, c'est plus simple de garder votre sustain, puisque Kira ça va être beaucoup de je rentre, je repars, je rentre, je repars, je rentre, je repars, beaucoup de trade en fait, toujours en permanence. Même dans les teamfights, hein, ça va être j'ai mis des petits dégâts, je repars pour tempo ma sustain, je peux re-rentrer, etc, etc. En tout cas, à bon niveau, ce sera comme ça. Et donc, le dot est quand même très intéressant. Alors, il met du temps à se stack. Aux alentours du niveau 10, normalement, vous êtes censé l'avoir. Mais c'est vrai qu'avant le 10, vous n'avez pas d'effet. Enfin, vous n'avez pas la quête. Mais les 50% de dégâts supplémentaires, si l'ennemi a moins de PV, c'est quand même vraiment cool. Et bon, après, c'est toujours plus intéressant pour plus de sustain et plus de dégâts, évidemment, une fois que la quête est validée. Un autre talent que j'aime beaucoup, c'est l'effort maximum, mais qui est plus situationnel à mon sens, puisque le carnage, si jamais il inflige 3 fois
des dégâts au même héros. Donc je le rappelle, l'épée se split. Si jamais, vous voyez là, Arthas était à max range, bah j'ai touché que 2 fois. Donc il faut que je touche de plus près. Mais là par exemple j'ai touché 4 fois. Et bien l'effort maximum proc, ça inflige 246 points de dégâts supplémentaires et ça le ralentit de 20% pendant 2 secondes. Comme vous l'avez vu, Kira n'a pas de contrôle. En dehors du stun sur le E, mais le E vous devez pas le claquer dans le vide puisque c'est votre seul sort qui vous permet de temporiser, de dodge des routes, etc., de temporiser des stuns et autres. Bah vous pouvez pas le claquer dans le vide. Donc c'est votre seul contrôle. Sachant qu'en plus, une erreur qui sera très souvent répandue avec les Kira, je l'ai déjà vu et je l'ai faite au début sur le PTR. Vous êtes en train de trade à l'auto-attaque un mec et vous mettez un Q-spell comme un retard. Vous vous dites ça fait des dégâts, c'est cool. En fait, bah, pendant ce temps, l'ennemi il fuit. Et ensuite, vous vous êtes corps à corps et vous êtes là, ah bah merde, j'ai plus rien. Donc, faut penser le A de Kira, il faut pas l'utiliser n'importe comment. Là, ça peut vous permettre de faciliter puisque vous allez ralentir l'ennemi, donc vous allez pouvoir le rattraper. Mais l'intérêt, bien sûr, du A, c'est soit de commencer, de poke un petit peu, soit une fois que vous avez mis des dégâts, je vais essayer de ramener Arthas, soit quand vous avez commencé à utiliser tout votre kit et faire des dégâts, finir l'ennemi avec un A, tout simplement. Donc le A, il faut éviter en plein fight, sauf si l'ennemi ne fuit pas, bien sûr. Mais sinon, c'est compliqué. Vous voyez, là, si je fais ça, bah, l'ennemi, il s'en va. Hein, donc, c'est le problème. Donc, on va essayer tout simplement de valider un maximum le kill. Bon, là, vous voyez, il fuit pas. Mais s'il essaye de fuir... Allez, Arthas, faut que tu fuis. Voilà. Ah, vous voyez, si je fais ça, je peux plus le rattraper, en fait. Donc, dans l'idéal, il faut essayer d'auto-attaque, auto-attaque, auto-attaque. Là, il va fuir, très probablement. Vous voyez, là, j'essaye de... J'essaye de finir avec le A et avec le Z pour pouvoir terminer le kill. Le Z ne donne pas la vision. Par contre, si l'ennemi il a encore les stacks, vous pouvez lui faire péter jusqu'à la dernière seconde. Vous pouvez lui faire péter pour augmenter le burst et potentiellement valider le kill. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi la play burst. Mais du coup, l'effort maximum, pourquoi je considère ça pas mauvais? Tout simplement contre certains pics, corps à corps. Alors, contre des distances, au départ, je m'étais dit, j'ai fait l'erreur de me dire contre des distances, ça peut être pas mal. Puisque bah, des distances en lane, par exemple, un Phoenix va être très très fort contre Kira parce que bah, elle peut pas forcément le trade facilement et elle va être très vulnérable. Elle peut pas lui rentrer dedans ou si elle lui rentre dedans, bah, c'est qui tout double. Donc, ça peut être très compliqué pour Kira. Le problème, c'est qu'en fait, ce niveau, bah, ce niveau 1. Comme encore une fois ça marche avec le A et si l'ennemi est à longue distance, bah, vous n'allez pas forcément pouvoir appliquer vos marques très facilement. Donc je vais pas forcément conseiller ce talent. Mais le truc, ce talent il va être très fort si vous n'avez pas de contrôle dans votre équipe ou très très peu de contrôle puisque bah, ça permet d'offrir des ralentissements. Donc de loin potentiellement, alors il faut avoir les 3 marques bien sûr, hein, mais de mettre un petit ralentissement. Donc viser les 3 marques à distance. Pour pouvoir infliger des dégâts supplémentaires, mais surtout les 20%. L'autre manière que j'aime bien, c'est contre Rexxar par exemple. Contre Rexxar, j'aime beaucoup ce talent, puisque eh bien, ça peut vous permettre de trade sur Misha et du coup de faire gaspiller de la mana à Rexxar pour soigner sa Misha. Donc ça, j'aime pas mal dans l'idée pour pouvoir faciliter. Ou si vous êtes avec un pick comme un Genji ou des trucs qui gank, ça peut offrir un petit contrôle supplémentaire pour pouvoir, en plus du gap closer et du stun, et là par exemple, on va le ramener. Hop. Alors, encore une fois, vous pouvez vous servir du E pendant le stun du E pour pouvoir placer votre A facilement. Donc là, normalement, Arthas a claqué les ghouls pour s'en sortir. Mais du coup, moi j'aime bien celui-là de manière situationnelle, mais celui-là de meilleur. La touche finale, ça c'est. Ce talent sur le papier est pas dégueu. Hein. Les attaques de base de Kira infligent 25% de dégâts supplémentaires au roi adverse avec moins de 50% de vie. Et sa vitesse d'attaque augmente de 35% pendant 2,5 secondes. Le problème, alors vous allez me dire, bah ouais, ça marche comme plébéante. Ouais, mais le truc c'est que plébéante, vous avez balancé tout votre burst. Le mec a moins de 50% PV, ça va proc, même si l'ennemi est très loin. Ce talent là, si vous êtes plus à portée pour pouvoir auto-attaque, ça fonctionne pas. Donc je trouve que ce talent malheureusement est trop faible par rapport aux deux autres. Sur le papier il a l'air vraiment bien, mais dans les faits, très compliqué de pouvoir le faire proc souvent. Donc je déconseille touche finale et je conseille plutôt les deux autres. Donc on va partir sur plébéante. Et vous voyez le stacking se fait avec la durée de la marque tout simplement. Donc là, vous pouvez réactualiser la marque en faisant des dégâts tout simplement. Et vous voyez là, le poison fait beaucoup plus mal. Donc je vais pas pouvoir le tuer. Mais... Ah bah si, je l'ai tué avec l'activable. En l'activant, le poison a fait plus mal. Donc pour pouvoir terminer des kills qui sont plus à votre portée, c'est quand même super intéressant. Niveau 4. Alors là, c'est un talent défensif pour Kira. On va commencer par celui que je préfère. Puisque c'est de la solo lane, de manière ça marchera toujours. Porter une attaque de base à un héros adverse confère à Kira 10 points d'armure pendant 3 secondes. Ça se cumule 3 fois, donc vous pouvez monter à 30 d'armure sur Kira si vous tapez, bien sûr, si vous tapez. Donc si vous tapez, voilà, bah, j'ai 10 d'armure, 20 d'armure, 30 d'armure. Donc je peux plus facilement prendre des trades avec Kira. Donc c'est quand même super intéressant, on peut tempo un petit peu. Hop, voilà. Voilà, tout l'intérêt de Kira, ça va être de pouvoir garder son armure. En 1v1, c'est plus facile. Le problème contre Misha par exemple, ça va être facile aussi à proc. Le problème,
C'est que ce niveau 4 il est très très bien, mais il faut pouvoir auto-attaque. Et du coup, dans certaines situations, on ne peut pas auto-attaque. Un autre que j'aime beaucoup, c'est l'impunité, mais l'impunité sous-entend qu'il faille affronter deux héros. Donc, contre Rexxar, ça peut fonctionner, mais moi je conseille plutôt ce talent par exemple contre un Samuro si jamais vous avez un Samuro en lane. Ce qui inflige des dégâts à un minimum de deux héros avec soif de sang permet à Kira d'éviter les 4 attaques de base portées par des héros dans les 12 premières secondes. Alors, j'en profite pour parler d'un autre counter de Kira. Et ça marche avec Samuro, hein. Bien sûr, ce talent marche contre Samuro. Si vous touchez deux illusions, vous appuyez sur Z, bah déjà vous allez vous soigner plus facilement parce que vous posez les marques sur deux illusions et du coup ça compte comme deux héros, bien sûr. Mais le truc, c'est que du coup, eh bien, vous allez esquiver toutes les attaques de base, donc toutes les 4 auto-attaques de base pendant 12 secondes. C'est quand même très très fort, donc contre un Samuro, ça fonctionne très bien. Le truc, c'est qu'attention, Samuro, s'il change ses illusions, il TP sur une autre illusion, il enlève les marques. Et ça, c'est pareil avec les stases, les ice blocks de Jaina, etc. Du coup, si ou un bunker de Blaze, vous avez mis des marques à tout le monde rentre dans un bunker de Blaze, ils ressortent, vous avez plus de marques, vous pouvez plus vous sustain et vous faites plus de dégâts. Donc, ça, c'est un autre counter de Kira. C'est pas un énorme counter, faut pas se dire ouais, faut que je joue Blaze contre Kira, mais les stases, pensez à ce genre de choses, peuvent vous enlever les dots, et à ce moment-là, c'est difficile. Et par la petite anecdote, hein, bien sûr, mais si vous tuez le mec, bah, il a plus de stack, donc vous potentiellement vous pouvez pas vous sustain. Ça m'est arrivé aussi. Du coup, le dernier niveau 4, donc celui-là situationnel, parce que bah, en solo lane vous êtes en 1v1, donc toucher 2 héros c'est plutôt compliqué. Donc l'ellipse, bah, après en teamfight ça peut fonctionner contre beaucoup d'auto-attaqueurs, ça peut être très intéressant, et sinon contre des héros multiples, genre Samuro, Rexxar, ça peut être cool. Ellipse entre-avante, mais d'un autre côté contre Samuro, contre Rexxar par exemple, bah, c'est très facile de mettre des auto-attaques à Misha et du coup d'avoir les 30 d'armure. Enfin, si ça manque de CC dans votre équipe, la cible principale, donc l'ellipse entre-avante, vous touchez avec votre la cible principale est ralentie de 25%. Donc vous voyez, pendant ce temps-là, là, il ne peut pas se déplacer à full vitesse, il a 25% de slow. Et pendant que vous êtes en train de tourner, vous faites des dégâts en fait à tous ceux. Vous voyez, là je fais des dégâts. Alors, non, non, non. Vous voyez, là je fais des dégâts en fait. La lame touche en fait tout simplement. Donc vous voyez, ça fait des marques sur les autres adversaires. Et donc évidemment je peux après me sustain dessus. Mais surtout l'intérêt, c'est que ça va slow l'ennemi principal et les mecs touchés. Donc c'est quand même des petits contrôles. Donc encore une fois, si votre équipe n'a pas de contrôle, ça peut être intéressant. Mais bon, on va prioriser de manière générale l'impôt sur la douleur. Niveau 7, alors on a deux talents que j'aime beaucoup et un pas terrible. Le premier, c'est la fin de vie, que je trouve très fort. C'est l'enchaînement personnalisé de Kira. Chaque fois que Carnage inflige des dégâts à un héros adverse, la prochaine attaque de base portée à un héros adverse par Kira dans les 4 secondes inflige 12% de dégâts supplémentaires et aura un montant de points de vie équivalent à 50%. Donc un talent qui offre et de la sustain et du burst supplémentaire. Kira en fait a pas un burst monstrueux, parce que Kira la plupart du temps c'est du trade, donc c'est des auto-attaques, ça va marquer, c'est une sorte de Lunara corps à corps en fait. Vous marquez, ok, elle a fait des bons dégâts d'auto-attaque, hein, bien sûr, mais c'est aussi les dégâts du poison qui vont compter, ainsi que votre gestion du Z avec l'activable. Donc votre seul burst, on va dire, avec Kira, ça va être quoi? Ça va être D, auto-attaque, Q et le E. C'est tout. Donc il n'y a pas un énorme burst, c'est pas des dégâts qui font... Le A fait très mal, hein. J'avoue, le A fait très mal. Mais sinon, c'est pas un énorme burst en fait. Hein. Du coup, améliorer la fin de vie, ça octroie encore plus le côté trade de Kira et aussi le burst instantané, on va dire, sur un trade, sur un échange de coups. Donc la fin de vie, je vais vous montrer. Vous faites un Q-spell et l'auto-attaque d'après fait des dégâts supplémentaires. Et en plus, vous sustain, pas besoin de claquer le Z du coup. Vous pouvez temporiser un petit peu grâce à ce talent. Donc personnellement, la fin de vie, je recommande. C'est énorme, que ce soit en solo lane ou en teamfight. Ça vous permet de ne pas claquer votre Z trop tôt, puisque bah, vous pouvez potentiellement... Vous voyez, en plus, le CD, alors, le CD est relativement court, hein, c'est 6 secondes, donc ça reste tout à fait ok. Vous voyez là par exemple, il m'envoie sous le fort, et bah je suis mort. Il m'envoie sous le fort, je suis mort. Il a couru et du coup je ne peux plus m'enfuir. Donc ça c'est aussi un truc à faire sur Kira, ne pensez-y. Donc la fin de vie, très très fort à ce niveau-là. Ça se cumule jusqu'à 10 fois, donc c'est plutôt cool. Moi j'aime beaucoup le sort, donc plus vous touchez avec votre Q, plus vous faites de dégâts sur la prochaine auto-attaque, hein, c'est quand même super intéressant. Ensuite on a le porte-vie, si soif de sang inflige des dégâts à un héros adverse qui dispose de moins de 50% de son maximum de points de vie, rend 486 points de vie supplémentaires. Le problème c'est que c'est très difficile, la fin de vie, ce qui est bien c'est qu'elle fonctionne, que vous soyez à 100% PV ou que vous soyez à 0 PV, enfin à 1 PV quoi. Donc c'est un talent que j'aime beaucoup, la fin de vie, le porte-vie est beaucoup plus situationnel. Il faut que l'ennemi ait moins de 50% de CPV. Par contre, s'il a moins de 50% de CPV, bah, c'est sûr que ça fait très très mal et vous allez pouvoir avoir une énorme sustain.
Mais je le trouve pas si fou que ça malgré tout. Mais après bon, la sustain est insane. Mais je pense vraiment que la fin de vie est au-dessus de tout. Et enfin on a le satellite parasite que j'aime pas trop. Chaque héros adverse touché par l'impact initial ou la rotation d'orbite meurtrière confère à Kira 228 points de vie en 4 secondes. Se cumule jusqu'à 4 fois. Alors là sur le papier on se dit ouais ça a l'air vraiment cool hein. Moi quand j'ai vu le papier je me suis dit c'est pas mal ça hein. Ça peut être pas mal, surtout que le c'est très facile en teamfight de toucher plusieurs personnes hein, comme je vais vous le montrer. Mais ça peut être très facile de toucher plusieurs personnes hein. On va faire ça. Vous voyez je touche plus, je touche du monde et tout. En fait la sustain c'est en 4 secondes donc déjà c'est pas instantané. Et c'est poussif hein. Au niveau 20 vraiment on voit pas trop la différence donc je suis vraiment pas fan. Niveau 10, alors là on a deux ultimes très particuliers. Alors il faut bien comprendre que Kira a de base un kit très fort hein. Donc les ultimes sont vraiment là. Alors les ultimes je dis pas qu'ils sont nuls hein, mais les ultimes sont là pour compléter son kit. On l'a dit, elle manque de CC. On a la spirale implacable. On manque on va dire de finish. On a le coup de grâce. Donc ça c'est quand même très intéressant. Ces deux ultimes qui complètent le kit de Kira. Pour commencer, l'ultime que je préfère, c'est le coup de grâce. 40 secondes CD, ça sera très probablement nerf et augmenté à 50-60 secondes. L'intérêt de ce sort, donc ça coûte 45 de mana, ça a 40 secondes CD, donc c'est vraiment très très court. Et vous voyez, c'est une canalisation pendant une seconde. Et ensuite, ça fait une sorte de mini Interland, hein, ça va toucher devant soi. Alors, vous allez me dire, bah du coup, Malga, tu dis souvent que l'Interland c'est pas terrible sur un Falstad. Oui, parce que ça ne sied pas au kit de Falstad. Et la bourrasque, en plus, c'est un des meilleurs ultimes du jeu. Mais avec Kira, qui n'est pas un distance et un corps à corps, bah, ça permet de finir des kills. Imaginez une Lunara avec un Interland, bah ce serait beaucoup plus simple, enfin ce serait beaucoup mieux. Hein. Et en l'occurrence, bah, c'est un peu le même délire. C'est un peu le même délire, le coup de grâce ici va très très bien fonctionner avec Kira puisqu'il y aura beaucoup d'ennemis lors d'un trade qui vont s'échapper avec peu de PV. Donc ça peut être l'intérêt, vous voyez, elle a plus de... là lui il s'en sort, bah non, boum, le R et je valide le kill. Donc ça c'est très très fort. Donc le R, déjà il fait 980, bon on est niveau 22, il fait 984 points de dégâts au niveau 22, c'est pas très représentatif mais il burst quand même un petit peu. Et les dégâts augmentent de 25% pour les héros adverses ayant moins de 50% PV. Encore une fois, il y a vraiment l'idée de finisher. Puisque sinon, bah, ça fait pas si mal que ça. Vous voyez, sur Arthas, là, ça lui a pas fait si mal. Le but va être de finir des kills. Après, à 40 secondes CD, on peut même se servir potentiellement de cette ult pour dépush si c'est vraiment la crise. Abuser un petit peu du temps de recharge. Mais dans tous les cas, ça reste très fort. Moi j'aime beaucoup cette ult pour compléter. Maintenant, comment contrer, comment réussir à bien esquiver? Il y a déjà la canalisation, ça se voit, apprenez la gestuelle de Kira. Elle pousse une gueulante complète et en plus on la voit faire une spirale avec sa lame et elle est pendant une seconde immobilisée, donc ça veut dire que ça peut se cancel. Encore une fois d'ailleurs, très très intéressant de prendre plébéante avec cette ult parce que, je l'ai dit, tous les ults infligent des dégâts. Le moindre dégât, que ce soit sur les compétences de base, les auto-attaques ou les ultimes, applique la marque. Du coup, l'ultime, même si les marques sont terminées, vous mettez l'ultime, et bien ça vous potentiellement, ça va mettre une marque sur le, une marque, vous allez pouvoir faire péter le Z, et surtout, et bien avec le niveau 1, même si l'ennemi s'en sort après avoir burst avec le R, ça, il va être fini grâce au plébéante. Donc encore une fois, c'est aussi pour ça que j'adore plébéante. Donc, on va pouvoir en reparler, mais l'animation, vous voyez, est très longue. Une seconde, c'est énorme. Elle peut se faire des castes pendant ce temps. Et surtout, c'est en ligne droite. Et Lightbox, c'est quand même pas si large que ça. Donc, quand vous la voyez, elle, en fonction de son orientation, vous savez que ça va être un peu tout droit. Donc, pensez à aller sur les côtés. Faites pas vos escapes à la Prometheus en courant tout droit. Essayez, de, quand vous la voyez, eh bien, de faire un pas de côté, tout simplement. Après, elle peut anticiper le pas de côté. Mais vous le voyez à peu près à son orientation où elle va tirer. Donc ça c'est important. Ça c'est important. Donc par exemple ce que vous pouvez faire avec Kira, c'est vous cacher dans un bush pour pas que l'ennemi voit l'orientation et l'incantation. Et il verra le sort trop tard à ce moment là. Donc ça c'est une, ça peut être un objectif. Donc une fois bon, on a parlé de cette ult, on va parler de l'autre qui est quand même très intéressant. Je vais changer les talents pour que, bon sauf celui-là, changer les talents pour vous montrer un petit peu. Mais il y a la spirale implacable, 75 secondes de temps de recharge, c'est pas si long pour un ultime, c'est à peu près dans la moyenne. Mais le truc c'est que vous pouvez pas auto-attaque ou quoi pendant ce temps. Et cette fois-ci c'est corps à corps, c'est pas à distance, c'est corps à corps. Donc spirale implacable, ça va infliger 96 points de dégâts aux ennemis toutes les 0,5 secondes autour de vous. En fait c'est une espèce de danse et pendant 2,5 secondes ça va durer. Donc ça applique, ce qui est bien c'est que ça applique, vous voyez, les sorts. Vous pouvez aussi utiliser la soif de sang pendant ce temps hein. Donc par exemple au milieu des ennemis, on va y aller, mais vous le balancez au milieu des ennemis, bah vous voyez ça applique des marques. Donc pour vous, ça peut vous permettre de, en fait un peu à l'image d'un Maelstrom de Kerrigan ou tout simplement du tourment de Maltael, ça vous applique des marques et vous allez pouvoir vous sustain pendant ce temps en fait, tout simplement. Ça pose des marques sur tout le monde, donc c'est cool.
Maintenant, l'intérêt, c'est surtout de compléter le sort, puisque quand vous complétez le sort, il va y avoir un stun dans la zone. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Le problème de cette ult, évidemment, c'est que vous êtes très facilement contrable. Encore une fois, allez voir les vidéos que j'ai postées en démonstration. Bah, pendant ce temps, vous faites rien et il suffit d'un stun, il suffit d'un silence, il suffit de même d'un route ou même juste d'escape de l'adversaire. Je veux dire, vous êtes contre Liming, la Liming, vous faites ça, bah, dash out et vous pouvez plus la toucher. Donc, c'est vraiment pas facile à jouer. Je pense qu'on le verra en combo en team et même en team, ça sera très facilement bloquable. Donc, je pense que faudra certaines situations quand il y a peu de contrôle. Ou vraiment attendre que les contrôles soient terminés, et là ça deviendra intéressant. Après ça fait des petits dégâts, mais c'est surtout l'intérêt, honnêtement, c'est un petit peu à l'image, encore une fois, d'un Maelstrom de Kerrigan de charger son bouclier, ou d'un tourment de Maltel de poser les marques sur tout le monde pour pouvoir vous sustain en teamfight. Même si vous faites annuler et que le stun passe pas, ça peut vous sauver la vie, vous donner un second souffle, on va dire, dans un teamfight. Mais c'est quand même très très dur à jouer, là où le coup de grâce, bah, c'est plus facile, et ça offre du burst aussi, et un finish à Kira. Niveau 13, alors le niveau 13... Finissons-en. Honnêtement, je vais commencer par le harcèlement. Je pense que Stalin sera nerf, puisque déjà en solo queue, bah, on l'a dit, tout ce qui est auto-attaque, etc. est très fort. Et même, je pense qu'en compétitif, ce sera vraiment très bon. Pourquoi ? Parce que, en fait, parce que les valeurs sont trop hautes. Les valeurs sont trop hautes. Quand ce sera plus bas, peut-être qu'en compétitif, ce sera plus dur à jouer. Mais en solo queue, ça restera très fort. Porter une attaque de base à un héros adverse augmente les dégâts d'attaque de base portés à ce héros de 25%. Se cumule jusqu'à 4 fois. Donc vous pouvez monter potentiellement à 100% de dégâts bonus si vous lancez vos auto-attaques sur la même personne. Ce bonus est réinitialisé dès qu'un autre héros est attaqué. Donc c'est à l'image de l'archerie d'Arnassienne de Tyrande. Alors quel est l'intérêt? Donc là vous avez vu le ralentissement de mon niveau 1. Quel est l'intérêt? Bah tout simplement, eh bien, d'avoir un meilleur trade sur l'adversaire et bah, potentiellement faire l'amener plus vite sous la barre des 50% PV pour faire proc vos talents. Vos différents talents, puisqu'il y en a plusieurs, comme je vous l'ai vu montrer, qui marchent en tout de 50% PV. Le problème de Kira, c'est que ses talents est un peu contre-mécanique, puisque comme je vous l'ai dit, dans les teamfights, il va falloir essayer de poser vos marques sur un maximum de monde, évidemment. Poser un maximum de marques pour pouvoir vous régène et faire des dégâts un petit peu à tout le monde. Et surtout pour vous régène, parce que sinon vous êtes une cible facile. Donc encore une fois, le placement va être très important, notamment le placement du Q pour toucher un maximum de monde et du coup vous sustain. Donc si vous êtes contre Kira, il faut absolument éviter le A, parce que si vous évitez le A, vous n'avez plus qu'à vous balader et elle ne pourra pas se sustain convenablement. Donc le 13 a un petit côté contre-mécanique et je vais vous montrer. Regardez, c'est un Arthas et regardez les patates que je vais lui mettre. C'est quand même très très fort. Vous voyez, les dégâts sont monstrueux, hein. Les dégâts sont vraiment monstrueux à la fin, donc je pense que le harcèlement sera très fort, que ce soit en 1v1 ou même en teamfight, mais pouvoir focus une cible et pouvoir rester dessus et l'exploser pour pouvoir vraiment l'assassiner, c'est très très fort. Maintenant, on a alors là, on a deux autres talents qui sont, je trouve, moins bons à l'heure actuelle, mais qui permettent au moins, contrairement au harcèlement qui est en auto-attaque, mais même, c'est bête, mais tout simplement, juste une auto-attaque de base, ça va renforcer vos deux prochaines. Même si vous n'arrivez pas à 4, ça renforce vos dégâts et du coup vos échanges de coups et votre burst. Donc c'est toujours intéressant. Enfin, votre poke et, enfin, votre poke et votre burst, ça dépend de comment vous êtes dans le teamfight. Maintenant, on a la réplique mortifère. Chaque héros adverse touché par l'orbite meurtrière inflige 250 points de dégâts supplémentaires à la cible principale. Donc tout simplement, vous condamnez en fait. Et l'idée, c'est de faire une grande boucle pour pouvoir toucher, vous voyez, plus de monde. Et du coup, à chaque fois que vous touchez un ennemi, bah, vous impliquez les mêmes dégâts. Vous voyez, le E au final fait pas si mal que ça, mais vous infligez 230 points de dégâts aux autres. Mais en fait, à chaque fois que vous allez toucher, vous allez infliger les mêmes 230 à la cible principale. Donc toujours un petit peu plus de dégâts à la fois de zone, mais en même temps mono-cible. Donc c'est sympa. Après, ça repose sur votre E, qui est quand même votre talent défensif. Donc faut faire attention. Et enfin, on a le temps de recharge du carnage, c'est cool 100% plus vite. Vous vous dites, ah bah fin de vie c'est trop fort, mais le gars, épais répétition c'est trop fort. Bah, j'ai eu la même manière d'approcher les choses, mais en fait je me suis rendu compte que c'est pas si ouf que ça. Pourquoi? Parce que oui, l'épée à répétition c'est cool. Le temps de recharge du carnage c'est cool 100% plus vite tant qu'un héros adverse cumule le maximum de charge de soif de sang, donc 5 marques. 5 marques c'est pas si simple à faire, vous pouvez le faire bien sûr, mais c'est pas si simple que ça, notamment en late game, mais ça reste ok. Le problème c'est quoi? Bah, c'est que pendant que vous faites le A, et l'ennemi il bouge, hein, et bah, vous êtes immobile. C'est bien d'avoir tout le temps votre A, mais l'ennemi bouge en fait. Et vous, pendant ce temps, vous bougez pas par contre. Donc c'est le problème. Donc je pense que c'est pas mauvais, mais ça dépend vraiment des situations. Si vous êtes vous pouvez pas trop vous approcher et que vous pouvez pas approcher vos auto-attaques, oui, ce sera moins mauvais que l'autre, on va dire. Mais c'est pas si ouf que ça. Si vous pouvez vous approcher, autant jouer le harcèlement. Donc épée à répétition,
la fausse bonne idée, je dirais, mais ça reste tout à fait ok. C'est pas un mauvais talent non plus. Niveau 16, alors là, le niveau 16, c'est que des talents sur le E, donc votre outil de mobilité, enfin, votre outil défensif principal. Et on a deux talents qui me semblent très forts. Il y en a un autre qui est pas mal. Les trois sont intéressants. Les trois sont vraiment bien. Il y en a un qui est vraiment génial. C'est le temps de recharge d'orbite meurtrière qui s'écoule 150% plus vite tant que Kira tourne autour de sa cible. Donc si vous touchez avec le E, eh bien l'écoulement du temps de, enfin le temps de recharge de votre sort s'écoule plus vite. Donc vous allez, au lieu d'avoir 16 secondes de CD, à peu près avoir 10 secondes de CD sur le E. Donc pour un sort qui est aussi important, imaginez Maiev. Imaginez Maiev avec son dé, si vous utilisez pendant la durée du dé de Maiev, eh bien vous réduisez de 50% la durée du dé. C'est pas dégueu quoi, c'est pas dégueu, c'est plus d'escape pour Kira, donc plus de survivabilité, mais également potentiellement plus de contrôle, puisque c'est votre seul outil de contrôle, je le rappelle. Donc c'est pas du tout mauvais sur le papier ce talent. Moi j'aime beaucoup, c'est plus de survivabilité, et plus de contrôle, et plus de dégâts, donc c'est tout bénef. Maintenant on a un autre talent, si jamais vous avez besoin de plus de CC et notamment en teamfight, ça augmente la durée de l'étourdissement causé par la réactivation, donc pas le premier E mais le deuxième E de 0,25 secondes, ce qui fait que c'est un stun de 1 seconde, donc ça monte la durée totale du stun à 1,25, 0,25 sur la première activation, 0,75 sur la deuxième, sauf que là ça passe à 1, donc 1,25 sur le total. Donc c'est quand même un stun très intéressant, mais surtout... les héros adverses proches de la cible principale sont aussi affectés par la réactivation. Alors quel est le problème de cette réactivation? Le problème de cette réactivation, je vais vous le montrer, c'est... alors, le problème de cette réactivation, c'est tout simplement que vous allez bump tout le monde, donc ça va stun les deux, hein, ce qui est cool, mais potentiellement vous allez éloigner en fait l'ennemi de vos potes en fait. Donc ça peut être un problème, ça peut être un problème, mais c'est un stun mine de rien de zone. Vous voyez... ça fait un petit stun de zone, moi j'aime bien. Si jamais il y a besoin de plus d'interruptions ou autre, bah ça peut être par exemple contre un chêne, contre une Irelle ou des trucs comme ça, ça peut être vraiment cool. Mais c'est pas forcément indispensable alors que la survivabilité est prioritaire. Donc ça va vraiment dépendre de vos compositions, est-ce que vous êtes suffisamment safe, est-ce que vous avez besoin plutôt d'aider à faciliter des kills. À ce moment-là, oui, la déflagration est cool. Et enfin, on a la séquelle, l'armure des héros adverses touchés par l'impact initial et la rotation d'orbite meurtrière réduite de 15 points pendant 3 secondes. Donc là, ça a vocation un petit peu plus à faciliter des kills puisque vous allez réduire l'armure et du coup augmenter les dégâts, vos dégâts mais aussi les dégâts de vos alliés. Le problème c'est que si c'était sur le H je dirais que c'est très bien, mais le problème c'est que si sur le E et vous n'avez pas envie d'utiliser le E n'importe comment, c'est votre outil de survie encore une fois. Vous verrez par les différentes vidéos de démonstration, mais si votre E est gaspillé, vous mourrez en fait avec Kira. Donc faire très attention à ça, c'est le problème je dirais de séquelles. Donc je préconise Révolution Permanente. Niveau 20, alors les 20 sont pas mauvais du tout hein, sur Kira. On va commencer par le ceinturon tactique, encore une fois Shingeki no Kyojin. Le temps de recharge de grappin est annulé si Kira frappe un héros adverse avec l'impact initial d'orbite meurtrière. Il s'écoule 900% plus vite s'il n'a pas subi de dégâts. Donc je vais virer les temps de recharge pour que vous vous rendiez compte. Et vous voyez, le temps de recharge revient très très vite, mais tant que j'ai pas subi de dégâts. Un petit peu l'image d'un Falstad sur sa monture. Donc tant que j'ai pas de dégâts, ça s'écoule plus vite. Donc je peux potentiellement à partir du niveau 20 me déplacer à coup de grappin. C'est quand même pas mal. Le truc c'est qu'en teamfight, vous allez me dire bah ouais mais en teamfight regardez je prends des dégâts. Là j'ai pris des dégâts, l'écoulement se remet pareil. Bah, on va essayer d'attendre, on va essayer de tempo un petit peu pour avoir le dé qui s'écoule plus vite. Mais en teamfight vous avez l'option de pouvoir engage au dé tout simplement. Et le E met fin au temps de recharge et vous pouvez vous escape avec le dé, de toute façon il reviendra super vite. Donc ça c'est vraiment très très cool puisque comme je l'ai dit bah, en late game vous avez pas grand chose pour pouvoir repartir ou pouvoir engage. Donc là vous avez ça, vous pouvez tranquillement engage au dé, repartir avec le stun et vous escape pour pouvoir poke tout simplement. Mais le problème encore une fois c'est que attention, attention le moindre CC, bah là ça a l'air cool, on se dit ah ouais c'est trop fort en fait. Attention quand même, à partir du late game. Par exemple là bah, je peux me faire cancel mon E et si voilà je rate mon E bah, je suis mort. Et si je réussis mon E malgré tout, si je réussis mon E, potentiellement une purif et boum je suis dans la merde. Et si je me fais bump pendant par exemple le grappin, bah, je suis mort aussi. Donc faut faire attention. Sur le papier c'est très très fort, dans les faits bah, vous pouvez vous faire bloquer et vous juste int comme un gros porc. Donc faut faire attention. Mais c'est quand même un dé qui est... c'est quand même un sort qui est très très fort dans tous les cas. C'est plus de mobilité pour Kira. Et en plus de ça, bah, vous avez... c'est comme si vous aviez deux charges de dés en fait. Hein, donc c'est quand même très très fort.
Et ça marque, ça fait des dégâts supplémentaires, donc plus de marques de poison aussi. Enfin, on a les autres niveaux 20, donc on a la traque implacable, un petit peu à l'image de la haine infinie de Illidan, améliorée. Les héros adverses proches disposant de moins de 50% de leur maximum de points de vie sont révélés, et la vitesse de déplacement de Kira augmente de 20% tant qu'un héros adverse est révélé par elle. Donc c'est vraiment pas mal pour pouvoir offrir de la vision sur des ennemis qui sont low, mais faut qu'ils puissent être en dessous de 50% PV, bien entendu. Et de plus, elle inflige 20% de dégâts supplémentaires aux ennemis révélés. Donc il y a vraiment l'idée de track et l'idée de finir un kill. C'est plutôt cool. Plus de mobilité, donc plus facile d'aller poser vos auto-attaques, etc., etc. Ensuite, on a les améliorations d'ultime. Alors, on a le silence de mort. Le lancement initial de spirale implacable réduit au silence les ennemis présents dans la zone pendant 2 secondes. Chaque héros est touché par la capacité réduit son temps de recharge de 3 secondes. Donc, moins de temps de recharge, enfin plus d'ultime hein, sur le papier, mais surtout, eh bien, au moment du lancement, vous voyez, l'ennemi va être silence. Le problème, c'est que, alors là on se dit, ah, c'est trop fort un silence. Moi au départ je me suis dit, putain c'est trop fort un silence. Non, non, c'est que sur le moment du lancement, donc la zone initiale. Là par exemple, si je fais ça, il n'y a que lui qui a été silence. On pourrait dire, ouais, c'est pendant la zone, ça couvre toute cette zone là. Bah non, non, que la zone initiale. Donc là, même si je fais ça, eux deux ils sont pas silence, il y a que lui qui est silence. Donc c'est pas si facile à setup, c'est pas si facile à setup que ça. Mais oui, effectivement, sur le papier c'est très très fort. Et enfin, on a les pleins pouvoirs, porte le bonus aux dégâts infligés aux héros disposant de moins de 50% de leur maximum de points de vie, de 25 à 50%. Donc votre R fera encore plus mal si les ennemis ont moins de 50% de leur PV. Donc c'est très très fort, bien sûr. Et si un héros adverse meurt, c'est pas fini. Donc rien que ça, déjà, ça double vos dégâts, un bonus. Mais en plus, c'est pas terminé. Si un héros ennemi meurt, moins d'1,5 secondes après avoir été touché par coup de grâce, annule le temps de recharge de toutes les capacités de Kira. Donc ça c'est très fort parce que ça vous redonne un E, ça vous redonne un D, ça vous redonne tout en fait. Et ça vous redonne un R aussi. Donc c'est quand même très très intéressant l'ultime. Mais ça sous-entend qu'il faille tuer, ce qui n'est pas forcément toujours facile. Mais dans tous les cas, c'est quand même 25% de dégâts supplémentaires sur le bonus. Donc ça reste, bah c'est deux fois le bonus en fait, hein. C'est tout simplement deux fois le bonus, donc c'est quand même pas dégueu. Hein. Moi honnêtement sur les niveaux 20 j'hésite souvent entre ceinturon et plein pouvoir, c'est les deux 20 que j'aime beaucoup sur Kira. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est un petit peu longue mais il y avait pas mal de choses à dire sur Kira, il y aura pas mal de vidéos qui vont l'accompagner, que ce soit des vidéos de gameplay en ranked mais également pour la, enfin, des vidéos de gameplay aussi pour montrer comment la contrer et notamment en mettant une de mes pires games depuis très longtemps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris à mieux maîtriser Kira mais également à mieux contrer Kira. Au niveau des talents, juste un petit truc bête mais bien entendu le niveau 1 fonctionne avec le niveau 13. Donc par exemple si l'ennemi a moins de 50% de vos PV, les auto-attaques feront encore plus mal. Du coup les auto-attaques fonctionneront encore plus avec le harcèlement, bien entendu. Et ça marche également avec la fin de vie. Donc on pourrait imaginer une sorte de build auto-attaque à base. Bon là on s'en fout, hein, le 4 c'est situationnel. Mais on pourrait imaginer effectivement un truc basé sur l'auto-attaque pour faire vraiment un max de dégâts. Mais le problème c'est que ça marche qu'à partir vraiment du 13. La synergie commence à être à partir du 13. Et à partir du 13 vous commencez à finir le mid-game et rentrer dans le late game, et parce que le late game arrive à peu près au niveau 16, et en late game c'est plus difficile de mettre des auto-attaques avec Kira, donc c'est le problème du build. Mais sur le papier effectivement ça a l'air très fort, et en solo queue je pense que ce sera moins puni, donc pourquoi pas, mais c'est vraiment pas foufou je trouve. Donc on va récapituler le build que j'adore, c'est plébéante, imposture de douleur, mais le 4 c'est situationnel, fin de vie, coup de grâce. Au 13, ça dépend aussi encore une fois, mais harcèlement. Au niveau 16, la recharge plus vite pour plus de survivabilité. Et au 20, plus de survivabilité ou plus de dégâts, ça va dépendre. Et je vais prendre moi par exemple le ceinturon tactique. Donc voilà pour le guide de Kira. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Il y a plein de petits tips que j'ai pu faire. Bah, j'ai pas mal testé le perso encore une fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner également, et aller suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et abonne-toi à la chaîne YouTube bien sûr si c'est pas déjà le cas. Bisous.